Ladies and gentlemen, welcome to the new quart de finale entre aujourd'hui, yesterday, today, tomorrow, fourmi 60 qui sera opposée à la chèvre 60, the B60. Alors aujourd'hui, je vous laisse voir les deux vidéos concoctées par nos deux adversaires. Deux adversaires entre guillemets, car on est tous potes ici. D'ailleurs, c'est deux bons poteaux avec qui on discute bien. Alors je vous laisse regarder leur vidéo. On se revoit juste après pour choisir qui passera en demi-finale. Alors là, préparez-vous, baissez la lumière, augmentez le son, regardez bien, vous allez en avoir plein les yeux. Et on se retrouve juste après pour choisir qui sera le futur concurrent pour le duel.
Et salut la compagnie, de retour sur la chaîne de l'Inco pour les quarts de finale. Mon setup s'est agrandi depuis la première vidéo. Un petit coup d'œil sur mes Barbaricus que vous aviez vu la dernière fois en fondation. Et j'ai quatre surprises pour vous. Donc, première nouveauté, Camponotus Liang Yuang. J'ai reçu en double jean avec un peu d'ouvrière. Superbe espèce. J'ai hâte que le développement redémarre. Là, après le transport, tout ça, j'ai pas encore trouvé de couvain, mais je pense que elle ne devrait pas retarder à répondre. J'ai hâte de voir ça. Deuxième nouveauté arrivée à la maison, Camponotus mysturus. Grosse espèce. Je ne pensais pas que la gyne serait aussi grande. J'adore la couleur. Elle est bien repartie. J'ai du couvain de tous les stades. Malheureusement, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur cette espèce. Donc, s'il y en a qui peuvent me mettre des infos dans les commentaires, je suis preneur. Je sais que pour l'instant, elles restent toutes dans le tube sec. Elles ont le choix entre un tube humide et un tube sec. Elles sont toutes dans le tube sec. Donc, pareil, là, je suis très content parce que belle fondation. Donc voilà. On va avoir terminé les images pour le Camponotus mysturus. On arrive sur la troisième espèce qui est arrivée chez moi, Eucophylla smaragdina, Formitis ram, donc elle, je l'ai reçue avec zéro ouvrière. J'avais un peu de couvain, mais pas d'ouvrière. Et là, comme vous voyez, en un mois de temps, ça s'est super bien développé. Nouvelle ponte, des nymphes, 14 ouvrières, je crois, si j'ai bien compté. Vraiment très actif. Et pour la dernière partie de la vidéo, pour la dernière espèce, pensez à baisser le son pour la musique. Attention les oreilles. Alors les amis, je vous l'avais dit, ça ne va pas être encore facile. Alors lequel vous voulez voir pour la prochaine vidéo pour la demi-finale? Alors je vous rappelle, je vais mettre un commentaire en dessous. Pour fourmi 60, like ici. Pour la chèvre 60, like ici. Celui qui aura le plus de likes aura 8 points. Exactement la même chose, celui qui aura le plus de likes sur mon Insta gagnera 2 points. Sur mon Discord, 2 points. Et les quarts de finalistes qui participent à ces quarts de finale, les 3 autres du coup, pourront offrir un des points à la fourmi 60 ou à la chèvre 60. Vous me contactez en MP les autres participants et je réserverai un petit point cadeau qui sera offert. Celui qui souscrit également à ma chaîne, pour l'instant vous êtes 2, et vous pourrez offrir aussi un petit point si vous le souhaitez. Alors là je vous relance pas tous, je vous laisse revenir vers moi surtout. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour le dernier quart de finale. Et oui, ça arrive enfin! Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner si tu ne l'es pas, et de regarder aussi les différentes vidéos des concurrents et de t'abonner à leurs chaînes respectives. Oh bah ouais, c'est la moindre des choses quand même, hein. Et ça mange pas de pain.